veux jamais résoudre le problème là, ce soit résoudre par confrontation ou bien par la négociation. Moi-même, moi toujours privilégié la négociation, m'espérer président pas l'impliquer le personnel bien, ou bien avoir l'autre monde, parce que m'estimer l'entrée à démarche noire, parce que c'est une démarche de concertation, c'est une démarche d'apaisement, c'est une démarche de mise en confiance, c'est une démarche tout qui demande des concessions. Plusieurs fois, nous dit président prêt pour faire des concessions majeures. Il était montré nous, dans la réunion que nous avons avec lui personnellement, ou dans la réunion avec l'ensemble des membres de la commission, et avant la nomination et après la nomination, Stéphane Noël, son président, qui prend gravité de situation et qui a des gestes que nous obligés de faire. Bon, ça qui passe hier là, le président va même que la courtoise dit pour le dire, nous allons faire conférence de presse. Bon, normalement, bon. Vu l'engagement, responsabilité n'a pas voulu. Deuxièmement, ils font conférence de presse qui va à la hauteur de dimension crise. Là, nous avons fait des commentaires matin, ces commentaires pas tout, à savoir, et qu'on sait irritant qui concerne les présidents, mais des irritants qui dominaient l'actualité à notre pays, des irritants qui en quelque sorte constituaient des principale préoccupation de la plupart des Haïtiens d'une manière ou d'une autre. Ou bien la question préto-caribé, pensez que son bon bagage, le président a parlé de monde qui a un contrat, peut-être dans mauvaises conditions, etc. Il doit parler de ça. Mais en même temps, il est le président, il n'est pas en campagne, bon président plein, hein, c'est pas un bon bagage. Mais il n'a pas fait allusion à l'autre irritant qui est préto-caribé. Hein. Il n'a pas fait allusion à l'autre irritant que les massacres à la Saline. Et l'autre dossier encore, parce que le président a montré les au-dessus, et puis il dit bon, tout dossier qui constitue un irritant, qui gagne des questionnements sur l'eau, et bien lui-même. La question des mercenaires, ça, c'est des bails. Oui, tout ça, c'est capable. Tout ça, c'est capable. Ça, c'est en télésprit, les Haïtiens. On est en télésprit, nous. Même chaque fois, pas de dormir, pas de temps, ça va dans le pantin. Où est-ce que vous avez nous? Vous pensez que vous êtes toujours, moi. Bon, alors moi-même, je connais mes seigneurs, même les missionnaires. Parce que, raison que je suis les missionnaires, parce que, en général, les mots, ils ont gagné importance, ils ont gagné signification. Les missionnaires sont monde qui, au service des mauvaises causes, depuis au pays, la complicoserie. Et je me toujours, par exemple, un missionnaire qui connaît dans l'histoire d'Haïti, c'est Arthur Penn. En 1958, des officiers haïtiens ont fait un débarquement dans la caserne des Salines. C'est juste ça, ils ont décrit comme un coup là. Et puis, ils ont fait un VAR. Ils ont fait François Duval. Ils ont manqué bon. Ils ont un mercenaire américain qui est Arthur Penn. Et mercenaire, c'est à démourir. Mais mercenaire, ça, lui, pas de gagner aval, le gouvernement américain. Son équipe vient faire un job, il mourut, elle mourut, il mourut. Et le gouvernement américain n'a pas même pour décider pour ça, parce que Devine font acte, même si Duvalier, c'est un dictateur, bon, en 58, tout le monde est dictateur, etc. C'est un mercenaire, il y a l'autre monde qui est connu dans le monde comme des mercenaires. Alors, sous-permettre, et sans dire, et libre, il est important, mais c'est de la mesure où nous-mêmes, nous te connaissons, ça a bien fait. Comme mercenaires sont nous qui nous servissent des mauvaises causes, et ou démission ou relomission peut-être ou même que des informations gain en pile monde pas gain nous même n'a continuer nous mercier parce que nous pas trouver moi même personne n'a pas trouver à bib dans mais donc zam non c'est pas cheve mon de une favelle c'est pas planter de une zam ça on était ouais et ça qui ton doute dans tête nous même nous pas compte ça on devait faire donc nous quand toujours balle tout non juste ça nous jeune non pas yo. Mais pour l'instant, c'est la justification. Moi, d'après les missionnaires, ce n'est pas missionnaire dans le sens d'un évangéliste, hein, au monde qui prie, etc. C'est missionnaire dans le sens d'une personne qui avait une mission. Et une mission qui était supportée par des mondes placés. Parce que, quand même, si on a pris l'histoire, mettez-le en place, lui, c'est des mondes qui déjeunent la protection de diplomates américains qui accompagnaient Emmanuel Ayoub au parti. Et c'est peut-être ça, moi, les missionnaires, c'est des gens qui étaient en mission. Pour qui est-ce que tu es en mission? Qui était mission exacte? Il n'y a pas oublié l'État haïtien, beaucoup de gens n'ont aucune explication. Mon ami, l'ancien premier ministre, il a dit qu'il devait nous tirer. C'est qu'il y a un leader politique qui dit qu'il devait
Banque Centrale. Bon, maintenant, il y a un autre monde qui est devenu pour tout le journaliste important dans le pays. Et jusqu'à présent, le pays n'a pas gagné aucune explication sur ce qui devine fait exactement. Et tout ça a montré que nous sommes l'État qui est sous la grappe. Bon, c'est parce que nous sommes sous la grappe même qui fait penser qu'il y a nécessité pour impliquer. Bon, moi, je n'ai pas allé entre nous parce que ce n'est pas la préoccupation, hein, ce n'est pas l'avenir de M. Jovenel Moïse. Ou bien de tout le monde qui a pris le pouvoir dans le pays. C'est conséquence de la crise là sur le peuple haïtien, les gens qui ont perdu des divisions, les gens qui ont sauté chaque matin, il faut autant de radios Caraïbes pour connaître si l'arrière a ouvert, si fermé, si les gens qui n'ont pas à l'école, l'hôpital qui n'ont pas à fonctionner. Et puis, il y a une situation d'incertitude là, qui fait que nous sommes censés vivre. Alors, moi, c'est ça la principale préoccupation. Hein? Mais les gens qui ont travaillé là, ils sont censés entraver. Et que marge de manœuvre là de plus en plus réduit, c'est qu'on va gagner intéressé, on t'a fait, c'est pas ton job, c'est pas ton bagage, on t'a fait parce que besoin, on va être personnel là-dedans. Son risque, moi, je prends, comme dans la politique, faut que je prenne risque, et si c'est pour payer à vous prendre, pour prendre, si on l'autre risque pour prendre, encore pour prendre, même penser que le discours de M. Moïse, j'ai antagonisé là avec un pile monde, et puis j'en lis catégoriquement dit le pape démissionner et avant ça il dit toute bagaille qui a sous table là et puis moi le ça bon et bon situation de confrontation et comme moi même c'est dans confrontation pas dans confrontation c'est dans concertation bien et c'est ça qui fait moi parce que place moi pas pas la commission et seul ou même c'est nous même qui quitte commission il y a 7 membres et seul ou même qui quitte ou quoi il y a l'autre monde qui quitte tout et jusqu'à présent, qui te m'a parlé là sont qui étaient informels parce que n'avez-vous lieu dans le cadre quand même de l'État, il y a un communiqué qui dit qu'un comité qui existait. Et si communiqué, si comité n'a pas existé encore, faudrait-il que l'ensemble des membres d'abaille démission ou bien secrétariat général parlait à l'entrée communiqué, ou bien moi qui parle là-dedans, le formellement écrit pour dire au paladin. Moi, qu'on est bien toi dans ma commission qui parie pour faire ça, mais pas bien, c'est un bail qui commence hier, je veux dire, pour le faire. Et puis, moi, je suis que il y a trois monde qui est déterminé pour faire bac parce que nous estimons et marge de manœuvre noire presque pas existé. Mais moi, même si tu as coordonné les commissions, moi, privilégié quand même, je suis à parler avec l'ensemble des membres de la commission. Parce que quand même, il faut toujours montrer nos élégants pour nous garder et ça qui est passé, hein, même si nous ne faisons pas de décision. Il est élégant face à un monde qui a une élégance, et pas face à Jovenel Moïse qui, et chaque jour public, ça complique la situation. Élégant, un monde qui est élégant. Ou bon, ça, là, un monde qui est bon, ça, là, bon. Élégance, là, c'est un monde qui est élégant. Même les monde, lui-même, a fait des bagailles qui ne sont pas correctes, et nous-mêmes, il ne faut pas faire là, en gros soulier, ça veut dire que ce n'est pas dans la radio. Démission, même si nous anticipons pour nous dire que Jean Bagala est là, mené à une démission, mais démission, il faut le formaliser, il faut le conforme. Et consulter l'autre membre de tout, son bon bagage, parce que l'autre qui concerné, pas le préjugé. Nous n'avons crise pour nous capables de bagarre la même gens. Mais ça qui est important, ce n'est pas démission, c'est le fait que le discours a compliqué la situation. Il faut nous commencer à faire pour nous faire tout pour nous comprendre les nécessités, on s'est parlé. Et jusqu'à présent, malgré le discours du président Jovenel Moïse, malgré nous penser, ou bien moi-même, je ne pensais pas qu'il y a place dans la commission encore, même toujours privilégier la négociation. Parce que c'est une dynamique de pouvoir, il y a trois routes. Il y a trois routes, il y a la ruse, il y a la force ou la négociation. Et des fois, c'est qu'on tous les trois. Et des fois, c'est qu'on y en a d'un, et des fois, c'est qu'on deux. Et comme n'a pas les grands pile monde captant des, il y a plusieurs monde qui vivaient sous pouvoir par la ruse. Mais par exemple, général Prosper Avril, les coups d'État a été fait, je n'ai pas fait coup d'État pour lui. Mais comme il était un officier expérimenté, il montrait soldat, il y a un contact international, donc qu'à gérer ça, il y a un véritable leader coup d'État, ça. Son dirigeant pas de souterrain, et puis bon, l'irriver et récupérer le mouvement. Ça, c'est une façon.
sont arrivés au pouvoir par une certaine ruse. Les monsieur Maniga qui sont au pouvoir en 88, c'est une forme de négociation quand même avec l'armée, parce que des élections crasées. Bon, d'ailleurs, monsieur Maniga dit qu'ils font percer l'ouverture rienne. C'est parce que l'élection est faite le 29 novembre, et qu'il y a un monde qui mourit, et a tout le monde dit qu'il n'y a pas l'élection à CNGR. Et monsieur Maniga pensait que c'était l'occasion de l'élection sous pouvoir, et l'élection sous pouvoir, il pourrait montrer que le parlement moun à moun c'est un dieu. Alors, toujours en circonstance pour moun arriver sous pouvoir. Alors, les trois voies, la ruse, la négociation ou la force. Alors, je vous dis, je ne pas connaître ça, monsieur Jovenel Moïse, et rien en venir parce que je suis dans une situation extrêmement difficile de perte de crédibilité. Et tout ça, qu'il a fait, c'est montrer que lui, à la hauteur de réagir. Situation, hein, et que de montrer de plus en plus souple, de plus en plus sage, pour que bah, on chante à la négociation qui va permettre de sortir de la crise qui a crasé principalement les citoyens.